Il a accompli des missions auprès des plus grands résistants, Stéphane Hessel ou Jean-Louis Crémieux-Briac, permis à Jean Moulin de poursuivre son action de chef de l'armée secrète, mais la grande histoire n'a pas retenu le nom de ce scieur de bois du Beaujolais au parcours étonnant dans l'Europe en guerre. C'est un très, très beau personnage, très beau. Un héros de la résistance modeste, dont la seule ambition a été de libérer son pays du joug nazi. Pierre Delay, un héros oublié, samedi à 15h25 sur France 3.